Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des nouveaux skins et des nouveaux émoticônes qui vont sortir en Fortnite Battle Royale. Donc première chose que je vais vous montrer, c'est un sac à dos qui est sorti en même temps que la mise à jour 3.4. En fait c'est tout simplement le sac à dos donc qui sera totalement gratuit pour ceux qui ont acheté le Wukong auparavant. Donc pour ceux qui veulent ces drapeaux comme sac à dos, il va falloir acheter le Wukong quand il sera de nouveau disponible dans la boutique. Donc là je vais vous montrer un skin qui est déjà sorti à 2h du matin. C'est un skin rare et avec sa pioche aussi. Donc le skin il coûtera 1200 V-Bucks, enfin il coûte déjà 1200 V-Bucks et la pioche coûtera 800 V-Bucks. Donc le personnage il a une tête totalement nouvelle, c'est la première fois qu'on voit une tête comme ça. Elle est assez stylée avec sa petite crête et tout. Franchement il est vraiment pas mal, c'est un peu... le skin homme de l'agent secret femme. Donc voilà, il a une petite plaque en dessous de son kéfier qui est rouge, avec ses épaulettes rouges et tout. Franchement, je le trouve assez classe, mais je pense pas que je vais l'acheter personnellement. Après, la pioche, elle va bien avec le skin, elle est noire avec des petits morceaux rouges. Et franchement, elle est assez stylée, elle a quand même de la gueule, elle coûtera 800 V-Bucks. Donc là, je vais vous présenter deux skins, un skin femme et un skin homme, qui sortiront bien sûr pour l'événement de Pâques. Donc le skin homme qui sera épique et le skin femme qui sera aussi épique, donc qui coûtera 1500 V-Bucks chacun. Alors on peut voir sur le skin homme qu'il a un masque de lapin. Franchement c'est assez stylé, ça fait un peu horreur comme ça. Le rose ça casse le côté horreur, mais je trouve qu'il est quand même assez stylé avec ses oreilles qui sont recourbées, avec ses deux petites grenades qu'il y a autour de sa taille. Donc en bas à droite on voit qu'il a une sorte de cartouche verte. Alors la meuf, ben c'est pareil, elle a une grenade à gauche, elle a des cartouches de pompe à droite avec ses oreilles aussi qui se laissent aller. Alors le skin de la meuf, c'est une nouvelle meuf aussi, c'est la première fois que je la vois, une noire comme ça, avec des cheveux crôlés et tout, avec son petit maquillage lapinou là. Franchement il est assez stylé, son lapin en blanc, franchement il a l'air vraiment sexy, vraiment stylé à voir. Après, je ne sais pas si je vais l'acheter, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, vous aurez les deux sacs à dos. Donc un sac à dos pour le mec et un sac à dos pour la femme. Je ne sais pas si le cœur, ce sera pour la femme ou si l'autre, ce sera pour l'homme. Je ne sais pas du tout. Mais je pense que le cœur, ce sera pour la femme et l'autre, ce sera pour l'homme. Mais bon, ça reste à voir. Donc vous obtiendrez ce sac à dos en même temps que vous achetez le personnage. Alors, il y aura aussi une petite pioche pour l'événement Pâques. Alors, on peut voir que le manche, c'est une tige de bois. On peut voir que le côté gauche, c'est un lapin au chocolat. Le côté droite, c'est une carotte. Je pense qu'au milieu, c'est un panier contenant un peu d'herbe et quelques œufs avec un petit nœud papillon sur le manche. Voilà, elle est assez stylée, mais ce sera une pioche rare, donc elle coûtera 800 V-Bucks. Alors maintenant, je vous présente le nouveau astronaute qui sera légendaire, qui coûtera 2000 V-Bucks. Je trouve que c'est vraiment cher, surtout que des astronautes, on en a eu pendant tout le pass de combat, donc de la saison 3. Donc on peut voir qu'il a le casque de l'astronaute qu'on débloque dans le pass de combat, avec une tenue orange, avec des petits néons mauves comme ça, ça peut être stylé. Après il faut voir si ce serait pas trop voyant. Alors avec ce skin, si vous l'achetez, ben vous aurez le sac à dos légendaire aussi, qui se mettra à l'arrière, donc il y a une petite œil mauve comme ça, violet, comme sur le skin. Et bien sûr la couleur orange pour bien aller avec le skin. Donc le sac à dos est pas mal du tout. Après il faut voir si le rond il fait pas trop de lumière aussi, parce que quand on regarde l'astronaute qu'on débloque dans le pass de combat, ben, au loin on voit très bien que c'est un skin orange fluo quoi, tu peux pas le louper. Avec cet astronaute il y aura peut-être un planeur, donc c'est pas spécialement un planeur pour lui, mais je trouve qu'il ira bien avec. C'est un planeur fusée avec des petites lumières oranges sur le dessus, donc le planeur sera épique. Et un planeur épique je pense que ça coûte 1200 V-Bucks je pense, mais je suis pas trop sûr des prix des planeurs. Mais voilà, je trouve qu'il a l'air vraiment stylé. Une fusée comme ça, je suppose qu'il y a des réacteurs derrière qui feront sûrement de la fumée aussi. Donc je pense qu'il est vraiment pas mal. C'est peut-être un achat que je ferai. Alors maintenant je vais vous montrer un autre skin qui sera Uncommon, donc qui coûtera genre 800 V-Bucks. Donc c'est un skin vert. Il est pas si nul que ça, c'est juste que la tenue je la trouve pas si bien. Noir et jaune, j'aime pas trop. Donc c'est une petite tenue course. Après, ça peut être stylé, mais c'est dommage qu'ils l'ont mis en jaune. Moi, je l'aurais mieux vu en rouge ou même en bleu. Alors, ses cheveux bleus, par contre, c'est vraiment stylé. La tête, elle est vraiment bien aussi. Alors, avec ce personnage-là, vous n'aurez pas de sac. Donc là, je vais vous montrer un autre planeur d'astronaute. Donc, il est aux couleurs de la NASA. Moi, personnellement, je ne le trouve pas stylé. Je préfère l'autre que je vous ai présenté avec l'astronaute orange. Donc voilà, il sera aussi en épique. Il coûtera aussi 1200 V-Bucks. Alors maintenant, je vais vous montrer, bien sûr,
le skin que je vais acheter, c'est sûr et certain, c'est le meilleur skin qu'il y a eu sur Fortnite depuis qu'ils ont sorti des skins. Et franchement, celui-là, c'est de la tuerie. Donc, il sera légendaire, donc il coûtera 2000 V-Bucks, mais il a un côté ténébreux comme ça et tout, avec ses yeux et tout. Franchement, c'est trop de la tuerie. Rien que ses mains aussi qui ont l'air assez pointues et tout, franchement, ces petites plumes noires comme ça autour de son cou et autour de sa taille, franchement trop stylé. Et avec ce skin là, vous aurez un sac à dos légendaire aussi, qui avec des plumes aussi un peu métalliques aussi comme ça, super classe. Franchement, je trouve que c'est un ensemble de ouf. Et bien sûr, il y aura un planeur avec ce skin là, un planeur aussi épique, enfin rare. Il coûtera 800 V-Bucks, je pense. Et regardez, c'est un flyers à plumes, il a des plumes et tout. Franchement, c'est trop stylé, il ira trop bien avec le skin. En plus, il a des petits trous dans son parachute et tout. Franchement, c'est trop la classe. Alors maintenant, je vais passer aux nouvelles émoticônes qui vont sortir. Donc, on peut voir qu'il y aura un disco fever. Donc, bien sûr, la danse disco quand il monte sa main en l'air et qu'il la redescend. Donc, une danse qu'il y avait dans les années 80. Alors ensuite, il y a Otonani. Donc, c'est une danse aussi assez bizarre. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Alors, il y a le Wiggle. Le Wiggle, c'est une sorte de danse en vague comme ça, qui a l'air aussi stylé. Après, il y a le Rock Papier Ciseau, donc le Pierre Papier Ciseau. Donc, je ne sais pas s'il fera tout le temps la même, mais il y a moyen de se faire des bons petits délires si ça change à chaque fois. On pourra vraiment faire des vrais Pierre Papier Ciseau, mais bien sûr, aléatoirement, c'est pas nous qui allons choisir, je suppose. Alors aussi, il y a la dernière émoticône qui vont sortir, c'est le Storm Salutation. Donc apparemment, bah, il va lever ses mains en l'air pour, je sais pas, peut-être saluer quelqu'un en gardant les mains en l'air et en restant figé. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés prochaines qui vont sortir sur Fortnite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, allez, ciao, peace. I'm